bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèles à notre émission « Que sont-ils devenus ?», émission au cours de laquelle nous mettons en lumière une personnalité martiniquaise, pas forcément décédée, évidemment. Il y a toujours dit « Martinique, c'est l'homme, il y a encore un hommage ». Mais des gens qui bossent pour le pays, voilà, c'est tout simple. Des gens qui ont fait quelque chose qui mérite votre attention. Ok, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir pour vous M. Jean-Michel Loutobi. Jean-Michel, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV. Voilà, le concept même de l'émission tel que je viens de définir, est-ce que ça t'interpelle? Oui, ça m'interpelle parce que c'est vrai qu'effectivement, tu as raison, souvent on veut mettre à l'honneur les gens, mais on les met à l'honneur lorsqu'ils sont morts. On dit, mais un tel était tellement bien, mais ils sont morts. Moulin de Gabalima, tout à fait. Et ce qui est important, c'est de faire connaître les gens et puis de montrer que dans les parcours, ben, y a des gens qui sont très très simples, qui font des parcours simples aussi et qui, en toute humilité, apportent leur pierre à l'édifice. Et souvent, c'est ça notre grand défaut, souvent on a l'impression que les gens se trompe sur certaines personnalités. Ah, monsieur né puis en cuir, en argent, bouche libre, moi, ça tout à fait normal. Il n'y a pas qu'à voir que le plus souvent, hein, c'est Ish Maléré, monde qui trimait, qui travaille, qui est arrivé à voir la lumière, comme on dit. Bien sûr. Eh bien, justement, oui. on va prendre la machine à remonter le temps. Et nous, quand il est remonté à l'enfance ou tout. Quoi, prenez un créole en français. Oui, en français, en créole, peu importe, pas de souci. Ton enfance. Ben, je suis né, en fait, il y avait une maternité au Robert, donc je peux dire, je suis né au Robert, on ne naît plus au Robert maintenant, on est à Trinité, à Fort-de-France. Mais à l'époque, il y avait une maternité au Robert, donc je suis né au Robert, mais toute mon enfance, je l'ai passé au Verpré. De qui au sein Verpré. Au sein Verpré, hein. Au sein Verpré. Il y a souvent cette rivalité, là, hein. Oui, souvent cette rivalité, c'est vrai que je dis souvent ça, les gens de Tartane demandent des S du Verpré, tout ça, ils ont toujours ce truc avec la commune, au paradis Mounou, c'est Jean Aubert, au paradis c'est Jean Verpré. Et mes gens Aubert, demain, dans mes lycées, c'est Jean Verpré. Donc, c'est vrai, ben, j'ai grandi au Verpré, mais bien sûr, j'ai mon cœur sur le Verpré Aubert. Tout ça, c'est mon comment dire, ma zone d'influence d'une certaine manière. Voilà. Voilà. Mais justement, ce qu'on vient d'évoquer là à l'instant, le rapport entre, comme on dit, les gens de la campagne et les gens du bourg, ça a toujours existé en Martinique. Hein. Toujours autrement existé. Autrement dit, lorsque Jean Verpré ou Sambourg ou la campagne. C'est presque Bourg la campagne. C'est-à-dire que, effectivement, même Verpré était ni beau Verpré, et tout ça qui a la campagne. Tout ça qui a la campagne Verpré. Moi, j'étais à Bouteau, donc c'est une habitation de banane à Bouteau, et ma mère avait un petit commerce, une petite boutique sur l'habitation de banane de Bouteau. Donc les travailleurs, à longueur de journée, venaient acheter, bien sûr, leurs petites boissons. Avant, à l'époque, c'était le petit poche, les sandwichs. Ouais. Voilà, les sandwichs. Ma mère faisait des sandwichs morues, sandwichs morues marinés, sandwichs morues à en sort. Bien oui, ça c'est la belle époque. Ça, c'est vraiment un bon moment. Et quand tu avais bien travaillé, par exemple, le matin, quoi, bon, la coupe ou nettoyer, tu nettoies, tu machins. Quand tu as fini, ta récompense, c'était la petite bouteille de soda et puis le sandwich à côté, le sandwich voilà. À cra ou des choses comme ça. Et c'était notre récompense. Et nous étions tellement contents, tellement heureux d'unir ça. Et mon père, lui, était chauffeur de taxi, donc le plus souvent, ben, il passait devant le commerce à longueur de journée, puisqu'il faisait Verpré Fort-de-France, la ligne Verpré Fort-de-France. Donc, on va dire un milieu familial humble. Enfin, c'est pas vraiment. Simple. Mes parents n'étaient pas des bourgeois. Je suis pas né avec la cuillère en argent dans la bouche. Bien au contraire, ils m'ont appris ce que c'est que le travail, ce que c'est que l'humilité, la valeur travail. C'était une valeur qui était très importante pour mes parents. Ils nous ont inculqué ça. J'ai un frère et une sœur. Et mes parents ont tout fait pour nous inculquer ces valeurs-là, en nous disant, arrêter sans faire rien. Dans toute ta vie, il faut que tu travailles et il faut que tu mettes du cœur à l'ouvrage. Il faut que tu fasses de la qualité, même si tu fais peu, mais fais bien ce que tu fais. Fais peu, mais fais bien ce que tu fais. Et ça, c'est très important. De toutes ces valeurs-là, justement, on voit que tu en as tenu compte, effectivement. Est-ce que tu penses qu'actuellement, dans l'éducation qu'on fait aux jeunes, dans l'éducation qui revient finalement à la famille, hein, au cercle familial, est-ce que les gens tiennent compte de toutes ces valeurs-là? Alors, il y a des parents qui tiennent encore compte de ça, parce que je rencontre beaucoup de gens, et quand on voit les enfants, on voit tout de suite dans quel milieu familial l'enfant a bercé. Ah oui, parce que tu vois des même profils. Même s'il n'est pas riche, souvent, même si le parent n'est pas riche, mais tu vois qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un cadre qui était fixé. Et puis, malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert de cette éducation, je dirais un peu à la dure, stricte, carrée, et qui aujourd'hui deviennent des amis de leurs enfants. On ne peut pas être ami de son enfant. On est un parent, mais on n'est pas l'ami de son enfant. Moi, je vois, hein, on voit dans la rue, des fois, on voit la maman et on voit l'enfant à côté. Tu veux la différence, c'est sa petite sœur, c'est machin, la maman est plus sexy que l'enfant. et c'est vrai que c'est
pas forcément une éducation à donner. Je crois qu'il faut qu'on garde cette rigueur dans notre éducation et que nous mettions cette distance, que nous mettions cette, comment dire... Il y a une déontologie dans la famille. C'est important. Parce qu'après, moi, je dis, madame, tu as dit ça, et elle m'a dit, bon, tu as dit, tu jouer, moi. Je dis, tu as dit, tu ne peux pas jouer. Parce que si tu as joué, ça veut dire c'est que. C'est où que tu mets en position. Première fois, il joue là, il faut que tu prends en disposition. Si première fois, même tout petit, il joue ou il rit, c'est mort, on ne peut pas faire rien après. Dès pour rigoler, qu'à jouer ou qu'à rigoler, Mais Jean-Michel, il y a une éducation. Strict. Si. Mais justement, je reviens là-dessus. Parce tout en étant bienveillant. Parce que t'es monde qui a fait méchanceté à l'époque. Il y avait la maltraitance. Ah, il y avait la maltraitance. On m'a pas parlé de maltraitance. On m'a pas parlé vraiment d'éducation à la dure. L'autre l'école. Professeur Akado, mis ça pour faire. Tu vois, professeur, après, c'est pas les doyens parce qu'il paie que les parents venus, entre en l'œil. Donc, il presse pas envie de doyen encore. Mais avant, t'es ni les parents, t'es qu'à faire éducation. T'es ni voisin, t'es qu'à faire éducation. T'es ni professeur, l'école, là, t'es qu'à faire éducation. Tout le monde, t'es qu'à participer à éducation parce que c'est mon nom, même si t'es ni en misère, mais mon temps vit ou à mon réussi. Voilà. C'est-à-dire que, dans l'esprit, le moment, certains professeurs, le t'es qu'à parler bon, quoi, senti que, ils ont envie bon, en bagaille, pour faire réussir. Ils ont pas jaloux, ils ont pas jaloux les parents. Au contraire, ils ont envie ou ont monté. Actuellement, c'est pas alors, vraiment. Justement, nous avons été dans les secteurs de parce que nous avons que ça importe, ça fondamental, ça nous a dit là. C'est très important. Est-ce qu'on prend coup là au début? Ah, mon prend coup, mon prend coup. Et je n'ai pas regretté. Et je n'ai dit, si c'était arrivé, voilà, je toujours remercié les parents moins pour l'éducation, toujours remercié eux. Les parents moins mon bonnet, mais je n'ai avoué que je n'ai dit souvent ça, je n'ai remercié parce qu'en fait, ça fixait un cadre. Et c'est important que leurs parents ou fixent un cadre et puis chama eux parce que c'est ça qui permet d'y assurer de venir les. Et si on pas fait ça, rien, pas qu'il paye. C'est-à-dire que si, d'ailleurs, ni des jeunes qui demandent aller faire service militaire ou machin, parce que souvent, il y a quand même réclamé un cadre là que vous pas payez là. Parce qu'en fait, c'est normal dans l'éducation, l'autre chambre, que vous souvent un cadre. Ça fait partie des psychologies. Et si vous pas souvre ça, à un moment donné, vous même qu'à aller chercher, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher, ça, vous pas souvre. Et ça, c'est important pour nous. Le cadre familial. Le cadre familial. Le milieu familial. Le milieu familial. Les chambres, valeurs. Il y a quand même des respects. Pas jamais mandé moun à un guitariou. Non, pas jamais voler par personne. Pas jamais voler par personne. Ça, les parents, toujours te répéter nous ça. Qui a dit nous, ou savent, toute bagaille là, ça la sueur du front. Ou l'en bagaille, mais faut qu'on goûte. Travaille pour ça. Travaille pour nous. Pas jaloux voisin. Essayez de faire mieux qui. Pas jaloux, ça paraît servir à rien. Fais mieux qui, si vous voulez. Mais travaille, c'est ça qui est bien important. Voilà, donc ce sont des valeurs, on a compris évidemment que tu as grandi. Alors combien de soeurs, combien de frères, ou pas plus dis-moi. J'ai un frère et une soeur. Un frère et une soeur. Voilà. Équilibré, ok. Oui. Est-ce que tu croyais en fait tout bah une communion, oui, m'ont fait communion, confirmation, m'ont fait, ah oui, m'ont baptisé, m'ont fait communion, m'ont fait première ou deuxième communion et voilà et même mon occasion d'y marier, même si m'ont divorcé après, mais m'ont marié l'église, machin tout ça, m'en croyant, pas fervent croyant, mais est-ce qu'on pas pratiquant? Je suis hyper pratiquant, je suis allé en messe, je suis habité en Zara. Je suis l'enterrement pour entrer dans l'église. Ah non, sans problème. Je suis allé l'enterrement, je suis allé mariage, je suis allé communion, je suis allé baptême. et puis de temps en temps, des fois, je suis allé en anti l'église en Zara, je suis ça parce que l'église là est tout petit. Mais là, c'est le milieu, sérénité. C'est beau, à sérénité. Et puis tout le monde, la dernière fois, il a dit, est-ce que vous avez déjà dit bonjour à votre voisin? Et je trouve ça extraordinaire. Et le voisin qui te regardait, qui te salit, qui te dit bonjour. Et j'ai beaucoup de métropolitains sur Zara. Mais même les métropolitains rentrent dans ce jeu-là aussi d'une certaine manière. Et c'est le lien social. Bonjour, le lien social. Voilà, le lien social. Ce lien-là qu'on a rompu malheureusement. Exactement. Tu m'as parlé de ta scolarité primaire. Tu étais en primaire au Auvers-Pré. J'étais en primaire au Auvers-Pré. Ton collège. Après, le collège Constant Leray au Auvers-Pré. Et collège, alors en primaire, déjà, j'ai de bons souvenirs avec des gens comme M. Rovla, M. Louel, toutes ces personnes des enseignants qui ont marqué ma vie professionnelle. C'est vrai. Mais même en maternelle avec Mme Landru. Et puis, ensuite, au collège du Auvers-Pré, collège Constant Leray, j'ai encore bon souvenir de Mme Sainte-Croix, qui était professeure de mathématiques, qui a beaucoup fait, qui encadrait ses élèves, qui donnait beaucoup de choses à ses élèves. Vraiment, j'ai gardé de très, très bons souvenirs, M. José Firin, toutes ces personnes qui nous apportaient aussi ce savoir-être,
que voilà. souvent il nous manque aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est ton époque scolaire, primaire, collège. Et puis après j'ai continué collège, cette trilité. Toujours au Auvers. Hein. Alors au Auvers-Pré, et puis ensuite, comme le Auvers-Pré, ben on arrivait jusqu'à la classe de 5e, il n'y avait pas 4e. 4e, je suis parti grâce à une dame qui s'appelle Madame Albin, qui est venue voir mon père pour lui dire, voilà, mettez Chamaïwa au Auvers. Bien intéressant. Mettez Trinité. Oui, mettez Trinité, Capomètre, qui a fait un débagay, voilà, machin, tout ça. Donc je suis passé au collège Beau Séjour, collège Beau Séjour, j'ai fait 4e, 3e, et ensuite j'ai continué au lycée, de Trinité, lycée France Fanon, et vraiment de belles années, parce que j'ai fait que l'électronique, en fait, mon premier métier c'était l'électronique, donc j'ai fait une seconde T1 à l'époque, c'était T1, c'était à vocation technique, et puis ensuite j'ai continué en F2, j'ai fait un bac F2, premier F2, bac F2, ouais, et ouais. après la terminale, donc j'ai obtenu mon bac et j'ai continué en métropole, j'ai continué, moi quand j'ai joué à Morisou, et bon Dieu, petit papier, dis-moi comme il était accepté, moi Créteil, moi t'es tellement content, moi danser, c'est une université où il y a Paris 12e, donc c'est vraiment, il y avait quelques Antillais, on n'était pas nombreux, sur une promo de 120 élèves, on était 4 Antillais, sur une promo de 120. Même en Goumet, machin, donc j'ai eu mon DUT génie électrique, option électronique et informatique industrielle. Après ça, je suis retourné en Martinique, j'ai travaillé dans une boîte de fabrication de chéquiers pendant longtemps. Ben, je vois un petit coucou à Livia Limol, à Rodolphe Léry, collègues de l'époque, vraiment m'en est de très bons souvenirs, Robert Doumit, toutes ces personnes-là. Et puis après, j'ai créé mon entreprise. Ah bon? J'ai créé une entreprise informatique. Une entreprise informatique, j'aurais parlé des ordinateurs, ça s'appelait Maintenance Informatique, que j'ai gardé pendant 12 ans. Vraiment de très très bons moments avec des gens comme Jacques Colonnette, Jacques Nijon, toutes ces personnes qui m'entouraient, les techniciens. J'avais 6 salariés et vraiment j'ai connu de très très bons moments avec cette boîte. Et puis ça m'a donné l'idée de préparer un master en gestion que j'ai fait avec le CNAM. Et voilà, donc j'ai préparé un master 1 en gestion que j'ai eu. Voilà. Et c'est ce qui m'a permis après... Ben, d'entrer à la mission locale, parce qu'un moment, je me matin, m'a dit, bon, voilà, j'ai plus envie de faire de l'informatique, ça a pris une bonne partie de ma vie, mais je pense que dans une vie, il faut avoir plusieurs vies, il faut surtout se faire plaisir tout le long. Et je me posais la question à chaque fois, mais qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir après? Voilà. Et le après, ben, c'était l'insertion, le rapport avec l'humain. Voilà. On va y arriver. Je vois que il a l'habitude tellement de parler en public qu'il enchaîne les choses avec une logique inouïe, quoi. Ton adolescence doit, voilà, donc, là où j'en ai pratiquement, où j'ai grand monde, là où j'ai 22 ans, t'es goût. Est-ce qu'on aime le sport, la musique? Ah oui, j'aime le sport. J'ai pas été un gros pratiquant. Alors, j'aime beaucoup la randonnée, la marche. J'aime beaucoup la marche. J'ai pas eu l'occasion de faire peut-être certaines choses quand j'étais petit, parce que maintenant, effectivement, il y a plus de facilité. Moi, là où j'étais, je n'avais pas autant de facilité, mais j'aime la musique, j'aime danser. Bon, tous les vendredis au soir, j'aime danser. Donc, il y a des gens qui me connaissent et qui savent, voilà, où je suis le vendredi soir. Mais j'aime beaucoup. J'aime le zouk, j'aime le compas. J'aime beaucoup le compas. La salsa, la musique latine. La salsa aussi. Ah ouais, ça, c'est mon truc. Alors, bien sûr, j'aime la musique traditionnelle. Ouais. D'ailleurs, ma fille. Mais moi, en machin particulier pour surtout le compas laïcien, les Robert Martineau et tout ça, ouais. C'est des mondes qui m'attirent en France, moi, le skacha, le maracoutan skacha, mon yati bayan, une espèce de petit pincement au cœur parce que ça a rappelé moi la belle époque et puis les zouker CI, les machins, les grands moments que justement, le TP danser et tout ça, c'est vraiment super. Tu as cité un truc à RCI et vous parlez maintenant, Léa, d'informatique, etc. Moi, j'ai connu un parent à toi, tu as l'aéronyme, c'est tonton, c'est Mano Loutoubi, parce que tout le monde connaît Mano Martinique. Oui, Mano Loutoubi, c'est tonton moi, c'est un monument, c'est quelqu'un vraiment pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et si Gagadeno m'a fait vraiment un bel petit coucou parce que c'est un monde qui bat en l'eau, c'est lui qui a apporté le créole dans les médias en Martinique, vraiment très important. Il a fait un choix, ce choix à l'époque, m'a changé, il était qu'à aller Sainte-Lucie enregistrer pour venir Martinique, c'était vraiment extraordinaire. Et mon père était chauffeur de taxi et souvent c'est lui qui donnait les espèces de cassettes cartouches qu'on mettait dans les taxis. Pour faire écouter la musique aux passagers. Mon père allait tout le temps le voir pour machin, et c'est là que j'ai entendu parler de lui. Et puis après, on s'est connu, je l'ai connu quand j'avais mon entreprise d'informatique, c'est là que je l'ai connu, il a tenu à me rencontrer, et on a beaucoup, on a vraiment gardé un lien, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et qui a beaucoup fait pour la Martinique, qui a beaucoup donné, les chantiers Noël, c'est grâce à Mano, les Mano Noël et tout ça, c'est vraiment... La jeunesse entend longtemps. Les rencontres intergénérations. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Docteur Caraïbe, il t'a raconté toute la vie en détail sans
sans serrer à rien, sans serrer parole, quoi, il t'a dit. Ouais. Et vraiment, ça, c'est de la belle époque. C'est des monuments, vraiment, ah ouais, des monuments. Des, gens, des ouais. monuments. Lui et Pierre Saint-Dôme, quoi, c'était ouais. deux belles monuments Martinique. Voilà. Voilà. Donc, on arrive, on progresse évidemment. Et à l'heure actuelle, tu es un personnage en Martinique, ça, on le répète. Nous tenons justement à souligner que de leur vivant, il y a des gens qui comptent pour la Martinique. Merci. On arrive à ce chapitre, donc tu es informaticien, jeune, et la mission locale Nord-Martinique. On va faire la genèse de cette opération-là. C'est une expérience que tu vis à partir de quelle année? Je vis ça en 2002, je me rappellerai comme si c'était hier, il y a 20 ans. Cette année, 13 mai 2002, donnait 20 ans que je suis à la mission locale. Mais dans quelles circonstances? Alors, c'est vrai c'est que concours, j'ai dit que j'allais arrêter l'informatique. Donc, j'avais mis mes parts de la société en vente et ainsi de suite, machin. Et puis, entre-temps, il y a une offre de la mission locale. Parce que la mission locale, j'ai commencé à travailler avec la mission locale par rapport à une association qui s'appelait FAS Martinique. Donc, Fondation Agir contre l'exclusion qui a été créée par Martine Aubry. Et il y a une dame qui a voulu mettre ça en Martinique et qui m'a demandé d'être président. Donc, c'est Madame Laporte qui mettait ça en Martinique et qui me demande de prendre la présidence. Et bon, j'accepte, je deviens président et je me dis, waouh, il y a plein de choses à faire pour la Martinique. Mais justement, pour le téléspectateur, une mission locale, etc., qui forme des jeunes, les attribution exacte de la mission locale, c'est quoi? Mission locale, donc déjà te dire un peu, juste terminer comment je suis rentré, donc tu me posais la question. La mission locale lance un appel à candidature, moi je réponds, il y avait plus d'une centaine, 200 quelques personnes. J'arrive en finale, parce que c'est une boîte de recrutement qui a fait le recrutement. C'est sélectif, c'est très sélectif. J'arrive en finale, on était trois en finale, j'étais pas le favori. Le favori, c'était quelqu'un qui venait de métropole et qui était directeur adjoint dans une mission locale. Un Martiniquais qui était adjoint dans une mission locale en métropole. Je passe devant un jury avec les 26 membres du conseil d'administration. Et boum, ben, je sors du lot et on accepte de m'embaucher à la mission locale. Voilà. Alors. Et mission locale, c'est quoi? Ben, mission locale, c'est, alors déjà, ça a été créé, c'était en 81, François Mitterrand accède au pouvoir, il se rend compte qu'il y a un problème au niveau de la jeunesse, il lance un rapport avec un monsieur qui s'appelle Bertrand Choise, qui faisait déjà des expérimentations, et Bertrand Choise lance le rapport Choise qui donne la naissance des missions locales en 82. Cette année, ça fait 40 ans. Les missions locales au niveau national fêtent leurs 40 ans. L'année prochaine, je vais fêter les 30 ans de la mission locale Nord-Martinique. Voilà. Ouais. Donc, et la mission locale, c'est quoi? C'est un espace où le jeune, il on va vient... On va par exemple des images là. Là, on est chez toi, là. Voilà, là, on est sur un forum, voilà, exactement. Et on travaille, là c'était sur Saint-Pierre, donc c'est le village emploi formation à Saint-Pierre et qu'on réalise chaque année, d'ailleurs cette année ce sera le 15 septembre à Saint-Pierre et je salue monsieur Rafa au passage parce qu'il tient vraiment à ce que chaque année on mène cette manifestation dans sa commune. On réunit un certain nombre de partenaires sur l'emploi, la formation et tout ça, et on permet aux jeunes de rencontrer des employeurs, de rencontrer des centres de formation et de trouver des solutions. On a beaucoup trop de jeunes sans solution. Aujourd'hui sur la mission locale Nord, il y a 7 000 jeunes sur l'ensemble des missions locales de Martinique, il y a près de 20 000 jeunes. 20 000 jeunes qui sont dans des situations très compliquées parce qu'en fait, ils n'ont pas de travail. Et ça, ce sont ceux qui font les démarches, c'est-à-dire ceux qui s'inscrivent volontairement à la mission locale parce qu'il n'y a aucune obligation de s'inscrire à la mission Mais locale. Mais justement, on va voir quel profil. Tu acceptes des gens de quel niveau? Alors, vous acceptez des gens de quel niveau à la mission locale? C'est surtout la condition d'âge. C'est entre 16, à partir, parce que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et d'ailleurs, l'État est en train de mettre un truc pour permettre à l'école d'être obligatoire jusqu'à 18 ans. Donc, on a l'obligation de formation depuis 3 ans, de 16 à 18 ans. Oui. Et la mission locale s'occupe des jeunes de 16 jusqu'au 26e anniversaire. Voilà. Sauf si à 26 ans, le jeune est encore dans un parcours avec nous, il continue. Mais c'est de 16 jusqu'à 26 ans. Voilà. Alors, justement, tu me parles de jeunes. Soit diplômé, par exemple, pour te donner un exemple, j'ai une centaine de jeunes avec un master 2 inscrits à la mission locale. C'est énorme. C'est du haut niveau. C'est énorme. C'est énorme. Mais justement, c'est là le problème. C'est-à-dire, tu me parles de jeunes qui ont 16 ans, qui ont été peut-être en décrochage scolaire. Tout à fait. Et tu me parles de niveau quand même des bacs 5, 6, etc. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ça correspond à une nécessité, c'est qu'il n'y a pas qu'à trouver travail à niveau yo. Il n'y a pas qu'à trouver travail à niveau yo. Et ça, souvent les gens disent, oui, mais nos jeunes ne sont pas formés. C'est pas vrai. 70% des jeunes qui sont inscrits à la mission locale, ça veut dire que 70% des 7700 jeunes ont au moins le bac ou le niveau bac. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'éducation nationale a tout fait pour que une classe d'âge, 80% d'une classe d'âge arrive au bac. Donc les jeunes arrivent, ils ont le bac, ils ont un BTS, ils ont un master, mais ils n'ont pas de travail. Et là, je crois que le vrai problème dans la Martinique, c'est un problème
qui est récurrent, qui est structurel, c'est le développement économique. Comment on amène un vrai développement économique pour absorber notre population jeune? Voilà. Donc, Jean-Michel, ce que tu es en train de dire, mesdames et messieurs, que sont-ils devenus? Vous avez constaté que nous avons des gens qui prennent en main une jeunesse, autrement dit l'avenir de notre pays. Des jeunes pas forcément très diplômés au départ, mais des jeunes également très diplômés, des Master 2, c'est des Bac 6 hein, quand même. Tout à fait, c'est donc ça. C'est très, très, très... C'est ça. Alors, les offres proposées, oui. Est-ce que tu formes, par exemple, pour un secteur primaire, etc., bah, l'agriculture, par exemple, tout est-ce que tu as des propositions de formation? Alors, en fait, si tu veux, aujourd'hui, la mission locale ne forme pas en interne. Je suis payé par la collectivité territoriale pour orienter les jeunes vers les centres de formation. Donc, il y a pléthore de centres de formation. On travaille beaucoup avec les CFA. Dernièrement, on a fait une action avec les CFA. Et c'est vrai que dans les métiers de l'agriculture, il y a énormément de demandes, comme dans les métiers du BTP. Sauf qu'il faut que ces métiers-là deviennent des métiers attractifs. Même si ça a beaucoup évolué, dans la banane, on place des jeunes régulièrement. Il y a énormément de demandes. Aujourd'hui, la banane a besoin de plus d'une centaine de main-d'œuvre. D'ailleurs, c'est la main-d'œuvre haïtienne, sainte-lucienne, qui vient combler le manque martiniquais. Il faut le dire, c'est parce que les Martiniquais, nos jeunes Martiniquais, ne veulent pas y aller. C'est que ça a posé un problème lors des dernières élections. Ah, mais bien sûr, bien sûr. On a parlé, etc. Parce qu'on pense souvent que c'est l'haïtien qui vient voler le travail des gens. Non, c'est parce qu'il y a pénurie. Et je vois l'usine du Galion, quand il y a la récolte, ben, ils sont obligés de compléter avec des personnes d'origine étrangère. Parce qu'en fait, il faut que l'activité économique continue. Il ne faut pas être hypocrite et se dire oui, mais voilà, machin. Non, c'est à nous aussi de former nos jeunes. C'est à nous de faire en sorte que nos jeunes s'approprient ces territoires et ces pans économiques. Et ça, c'est un gros travail que nous devons mener. Moi, en tout cas, à mon échelle et avec mes équipes, j'essaie d'encourager les jeunes d'aller vers des secteurs qui sont des secteurs porteurs et des secteurs qu'il faudrait développer. Il ne faut pas avoir peur du soleil, il ne faut pas avoir peur de souffrir ou de s'investir. Là, on voit par exemple des réunions et des fois, souvent... Tout à fait. Là, c'était un set de table, un set d'un emploi. C'est-à-dire qu'on a mis des offres d'emploi sur des sets de table pour permettre... Et les parents viennent aussi. Voilà. Là, les parents viennent aussi. Moi, des fois, justement, j'ai des parents. Justement, la réaction des parents. Souvent, je suppose qu'ils sont... Souvent, les parents sont très contents. Moi, ce sont les parents qui m'interpellent. Ce sont les parents qui m'appellent souvent pour me demander pour leurs enfants. Ils accompagnent leurs enfants, ils viennent et moi, ça ne me pose pas de problème. Quand je reçois le parent et le jeune, ça ne me pose pas de problème. C'est le jeune que j'accompagne, mais j'entends le parent et j'entends souvent beaucoup de grands-parents. Dernièrement, on a fait un truc sur les métiers du cinéma. J'ai une mamie, c'est elle qui est venue et bon, je l'ai fait venir vraiment parce qu'on remettait un prix à la petite qui s'appelle Annelise Guicheron qui a commencé dernièrement sous Martinique Première. Grâce à cette action-là, elle s'est fait repérer et elle va animer les chroniques sur une radio ici en Martinique. Voilà, et on va pas sur l'image des jeunes qui sont récompensés. Voilà, ben ça, c'est mais je voulais justement, je voulais t'interpeller. On a affaire souvent à la Martinique à un profil assez particulier de jeunes qui ont déjà des enfants. Autrement dit, de gens qui sont sortis dans le système scolaire, qui voudraient continuer, qui voudraient s'épanouir. Tu vois, des jeunes femmes qui ont des enfants, t'es capable de me dire maman et puis je leur papa, qu'on est tout. Est-ce qu'il y a un traitement spécial réservé à ce profil-là? Alors, c'est vrai qu'on a essayé de mettre des actions pour les mères célibataires. C'est-à-dire les mères célibataires, Les jeunes femmes qui ont leurs enfants. D'ailleurs, dans le projet que nous avions pour le siège de la mission locale, on avait prévu à l'époque de mettre dedans une halte-garderie parce que souvent, les jeunes mères, lorsqu'elles accèdent à un emploi ou lorsqu'elles trouvent une formation, elles ont du mal à faire garder leurs enfants dans les premiers temps. Donc ça aussi, c'est un frein que nous voulons lever avec les jeunes. Donc nous essayons de travailler à l'entourage, à la levée des freins périphériques qui empêcheraient à cette maman de... machin. Et ce que je dis souvent aux jeunes, ne tombez pas dans le piège de l'enfant qui va m'amener de la CAF. Parce que la CAF, c'est un certain temps. Et la CAF, c'est pas à vie. La CAF ne donne pas de retraite. Et dites-vous bien que le système ne va pas perdurer en l'état. À un moment donné, d'ailleurs, on le voit, là, j'ai mis en place un contrat d'engagement jeune. L'État demande... de faire entre 15 et 20 heures d'activité semaine pour justifier et bénéficier de cette allocation. Donc les choses vont évoluer dans ce sens-là, malheureusement. Donc je dis aux parents, surtout aux jeunes femmes, ayez un projet. Ne tombez pas dans le piège des enfants pour pouvoir toucher des allocations, pour avoir un statut social. Le vrai statut social qui est sur du durable, c'est celui qui va vous permettre, avec un travail, de vous offrir votre maison et de vous offrir, en tout cas, une famille dans de bonnes conditions. Un papa, une maman, un enfant, ça s'élève avec un papa et une maman. Mesdames et messieurs, on va revenir vers les téléspectateurs. Vous avez compris que dans Que sont-ils devenus, on vous présente des personnages qui ont un passé,
C'est pas forcément dans Salique, c'est pas forcément parce que j'amore, mais des gens devenus qui pensent à l'avenir aussi de leur pays. Et voilà un exemple, monsieur Jean-Michel Lotobi, on a parlé. Alors, évidemment, on te voit partout, des expériences de stage. Est-ce que délai, tu as des appels de l'extérieur, on te voit en gros costume, ou au Canada, ou en Suède? Cite-nous quelques points de chute. Alors, que tu as déjà eu au niveau international. C'est ouais. vrai que je ne me mets pas de limite et j'essaie de ne pas mettre de limite aux jeunes. C'est pourquoi je veux leur montrer ce qui existe ailleurs pour qu'ils comprennent et qu'ils fassent leur choix. Je dis souvent, c'est le jeune qui doit être au centre. Donc le jeune me dit, souvent je dis ça aux jeunes, tu prends le globe et tu me dis où tu veux aller. Moi j'ai emmené des jeunes en Finlande voir les métiers du bois. Ouais. J'ai emmené des jeunes au Portugal. J'ai emmené des jeunes à Madagascar pour comprendre comment les gens développent des produits touristiques made in Madagascar, des produits que eux-mêmes fabriquent. Et ça, je voulais que nos jeunes voient ça. Moi, je suis allé par exemple là, on les voit en pleine réflexion. Voilà. Et souvent, et là, c'était au Canada sur le Canada, leadership. Oui, oui. Voilà, sur le leadership. En fait, je veux donner aux jeunes cette possibilité, en tout cas, de se projeter et de devenir. Au Canada, j'ai une formation intéressante. C'est une formation leadership et je leur permets de rencontrer des gens, des professionnels qui sont qui ont réussi. Et on a des intervenants très intéressants. Par exemple, j'ai une dame qui a été ancienne première ministre du Canada et du Québec et qui vient donner son expérience aux jeunes. Et je me dis, mais monsieur, je dis, mais oui, mais c'est ce niveau-là que je veux vous donner. Parce qu'en fait, là, on vit fort en Mounré ici, il faut qu'on mène le plus haut possible. J'ai un gars qui intervient aussi dans la formation qui s'appelle Bruni Surin. Bruni Surin, c'est quelqu'un qui est d'origine haïtienne, qui est arrivé au Canada à l'âge de 7 ans et qui a gagné le relais 4 fois 100 mètres avec l'équipe du Canada à Atlanta en 96. Sportif de haut niveau. Sportif de haut niveau. Et il explique comment il a battu Carl Lewis, qui était son idole. Il avait affiché la photo de Carl Lewis dans sa chambre et à chaque fois, il disait, toi, je vais te battre un jour. Mais justement, et j'ai vu effectivement que tu as fait venir des personnalités très connues du monde audiovisuel. Tout à fait, j'ai fait venir Harry Roselmack, Sonia Roland, qui tourne Tropique Criminel en ce moment et qui est venue donner des conseils à nos jeunes. Harry Roselmack, qui est le parrain de notre web TV et qui est vraiment venu en toute simplicité donner des encouragements et puis, challenger un petit peu nos jeunes. Et moi, je trouve ça très intéressant parce qu'il faut que nos jeunes voient le point d'arrivée. Si on leur montre pas, si on leur donne pas la route, si on leur montre pas ce qui est possible, mais ils vont toujours penser que rien n'est possible dans ce territoire. Moi, j'entends souvent les gens dire, ouais, mais pas faire rien, bah, nous, mais ouais, mais on peut rien faire. Si, on peut faire énormément de choses. Avec de la volonté, on peut faire des choses. Monsieur, monsieur, je voulais te poser la question qui est claire et que nos amis et tes spectateurs vont peut-être, est-ce que tu ne leur vends pas du rêve aussi, en quelque part? Pas du tout. Je leur vois la réalité. Je prends un exemple. J'ai emmené des jeunes à la montagne sur les emplois saisonniers. J'ai emmené en Savoie. En Savoie, quand je suis arrivé en Savoie en 2007, les gens se moquaient de moi parce que j'arrivais avec des petits Martiniquais que j'amenais à la neige. Qui n'est vous ramenez? Ramenez la neige. Place de neige. Ça, c'était la première année. Deuxième année, ils m'ont vu retourner parce qu'il y en avait qui étaient déjà acceptés, qui avaient fait une belle saison. Et ainsi de suite. Et ben là, au bout de 13 ans, plus de 13, 14 ans, j'ai des jeunes qui sont chefs cuisiniers en montagne. J'ai un jeune de Saint-Pierre qui s'appelle Moïc Razzavier, qui est chef cuisinier à Montgenèvre, à la frontière avec l'Italie, et qui excelle dans ce qu'il fait. J'ai un jeune qui s'appelle Jérémy Castrien. J'ai fait venir sa famille parce que on a voulu mettre à l'honneur ces jeunes-là. Ben, le jeune, il excelle. Il a ouvert son restaurant à Lyon, et parce qu'il est resté longtemps en montagne, à Valmorel. Et vraiment, et j'ai une autre petite qui s'appelle Stéphanie Jean-Philippe. C'est une jeune du Robert. C'est vraiment mon coup de cœur. C'est une jeune femme battante. Elle a envie. Elle, aujourd'hui, elle travaille dans un EHPAD sur Paris. Elle est chef cuisinier dans cet EHPAD-là et elle a fait les montagnes à Flaine pendant très, très longtemps. Et je crois qu'on a beaucoup de lumière, on a beaucoup de gens et elle le dit. Il y a un potentiel énorme, ces gens-là. Monsieur Lotobi a cru en moi. Ouais. Moi, je ne croyais pas en moi, mais il a cru en moi. Ouais, je vois la route. Je vois la route. Et j'ai envie d'une seule chose, c'est mettre nos jeunes sur ces routes-là parce qu'en fait, ils ont droit aussi à la réussite. C'est pas juste faire un enfant. Moi, je dis souvent aux parents, c'est pas juste faire un enfant. Il faut ouvrir la route pour vos enfants. Il faut nous aider à construire la route pour nos enfants. Voilà. Donc, on arrive à la moitié de l'émission, ça tourne énormément. Mais finalement, avec toute cette activité débordante, avec cette énergie, tu as... En gros, combien de personnes qui travaillent avec toi? Au personnel, combien de personnes à Alors, la mission? Sur la mission locale, on était 49. Aujourd'hui, on est 44 salariés. J'ai 44 salariés qui travaillent avec moi sur la mission locale. Je suis aussi président d'un office HLM, la SMHLM, et là, c'est 140 salariés. Voilà. Et je suis aussi président d'une caisse de crédit mutuel, le crédit artisanal. Et là, c'est 16 salariés sur le crédit artisanal. Voilà. Donc, c'est du boulot, c'est beaucoup d'investissement personnel, mais je suis un hyperactif et je pense que je me fais vraiment beaucoup plaisir.
plaisir dans toutes ces activités. Et bien sûr, je laisse un large choix souvent à mes salariés parce que j'ai envie qu'eux aussi produisent des choses dans leur activité et s'épanouissent au travail. Voilà, mesdames et messieurs, une jeunesse qui se réalise, des ambitions, mais un personnage, je te connais très, très, très bien, enfin bien, je ne vais pas dire très, très, très bien. Est-ce que toi-même, ça te monte à la tête? Est-ce que des fois, tu as des ambitions? Parce que vous avez un pays là, depuis ce moment, on a senti commencer qu'à entrer dans l'autre cadre, par exemple, politiquement, élection finie passée. Pas du on tout. On ne va alors, pas citer de parti ni quoi oui, que ce soit. Tout à fait. Alors, c'est vrai que. Tu es courtisé, certainement. Je suis souvent sollicité par les politiques. Alors, déjà, de par mon travail, parce que dans mon conseil d'administration, j'ai 18 élus qui sont membres de mon conseil d'administration, les 18 maires du Nord, bien sûr, et les présidents de collectivités et autres. Mais j'ai toujours refusé. Alors, c'est vrai que c'est pas par peur ni par manque d'ambition pour la politique. C'est que simplement, je pense que chacun doit faire sa part. Moi, ma mission, elle est pas politique. Elle est technique, si on veut. Moi, je dois être aux côtés des politiques, mais je ne peux pas être en même temps aux côtés des politiques et être en politique. Moi, je pense que ça ne marcherait pas. Ça ne marche pas. Et puis, ça irait à l'encontre de ce que j'ai envie de faire parce que je ne le fais pas pour me mettre en avant. Tout ce que je fais là, je le fais parce que chacun de nous avons quelque chose à apporter dans cette société. Et je crois que c'est ma part dans cette société. C'est comme ça. Je l'ai accepté comme une mission. D'ailleurs, ça s'appelle la mission locale. Mais je l'ai accepté comme une mission et je le fais vraiment avec beaucoup d'humilité. Et je n'ai pas la grosse tête, mais vraiment pas du tout, d'ailleurs. Alors, tous les gens que je rencontre, ils m'appellent Jean-Michel et je leur dis, appelez-moi Jean-Michel, c'est pas le cri, moi, monsieur Loutoubi, ma vie est gardée derrière. Parce que moi, c'est Jean-Michel, je suis aussi simple que ça et mes parents m'ont appris, je l'ai dit tout à l'heure, l'humilité, la simplicité. Très simple, c'est et pour ça, c'est très, très important. Il ne faut pas avoir la grosse tête parce que la vie, c'est le corps qu'on a, c'est juste une petite location. C'est juste une location que le bon Dieu nous a donnée et qu'on devra remettre à un moment donné. Tu sais, il y a des gens qui courent après les médailles, etc. T'as là, vous en là. Est-ce que toi, en matière de distinction, est-ce que tu as des distinctions au chevalier, J'ai eu une distinction à la demande de Laurent Prévost, qui était préfet en Martinique et qui avait demandé je suis chevalier de des palmes académiques. Voilà. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont demandé des distinctions pour moi. La Légion d'honneur, je ne cours pas forcément après ça. Ma vraie récompense, vraiment ma vraie récompense, c'est de voir la réussite des autres. Et vraiment ça. Par exemple, là, on te voit, là où sociable la maman ou. Ah, ça, c'est un moment extraordinaire avec Paul Aiguis derrière. Paul Aiguis, c'est celui qui a fait One Million Baby, qui a fait les derniers James Bond, et c'est lui qui m'a remis le prix aux États-Unis pour un film qui s'appelle Le L'ombre à la lumière. J'ai reçu un prix spécial du jury. L'exercice était très c'était extraordinaire parce qu'il fallait le dire en anglais, il fallait monter sur le podium et il y avait une assistance. Il y avait plus de 200 personnes dans la salle. Ah, mais je l'ai fait en anglais. Je l'ai fait en anglais. Alors, bien sûr, bon, ben voilà, avec mon anglais. Mais c'était vraiment un moment extraordinaire et je remercie Ingrid Jean-Baptiste qui organise ce festival. J'étais le seul Antillais à être récompensé. Il y avait plusieurs personnes, il y avait plein de candidats. Il y a eu une dizaine de distinctions et je fais partie. Là, on voit Lewis qui est de Fox News. Voilà. Donc vraiment un grand moment d'émotion parce que je m'attendais pas du tout à avoir un prix aux États-Unis et voilà, ça m'a énormément touché et j'étais accompagné de cinq jeunes qui veulent travailler dans les métiers du cinéma, à qui j'ai présenté un centre de formation qui s'appelle Lee Strasberg. Lee Strasberg a formé Marlon Brando, Marilyn Monroe, toutes ces personnes sont passées par l'école de formation Lee Strasberg et Lee Strasberg a offert 3 mois de formation à un des jeunes qui était avec moi et je remercie aussi Saïdou Bernabé de Parallèle 14 qui forme ces jeunes sur les métiers de demain pour faire des effets spéciaux, des choses comme ça. Et vraiment, nous avons beaucoup de talent en Martinique, beaucoup, beaucoup de talent qu'on ne met pas assez à l'honneur. Mais je crois qu'un jour, et tu as commencé à le faire, je crois que d'autres devraient aussi enclencher le pas et mettre à l'honneur toutes ces compétences que nous avons. Parce que nous n'avons pas fini de plaire pour dire, nous n'avons pas si. Nous regardons tout ce que nous n'avons pas. Moi, quand je regarde un verre, je ne le vois pas à moitié vide, je le vois à moitié plein. Et c'est ça toute la différence. Ah, Jean-Michel Cabanou, bon parole là, justement dans le cadre de que sont-ils devenus. Alors là, on va passer à la période Covid. On en a parlé un peu les 2 dernières années, ben, comme ça. Ça a été pénible pour toi, le distanciel. Ces professeurs n'ont pas été venus à l'école. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'était très compliqué. Nous avons eu 3 années très compliquées, notamment au début 2020, où là, on a eu le confinement, un confinement très dur. C'est vrai que c'était très compliqué d'accompagner les jeunes, parce que nous avons des dispositifs comme la garantie jeune. Et là, il faut le relationnel. Et notre métier est basé aussi sur le relationnel, parce que le jeune, il vient en entretien avec son conseiller. Ah, mais oui, oui. Donc ça,
c'est vraiment un travail de proximité que nous faisons et ça a beaucoup perturbé. Alors on a appris effectivement à faire un distanciel avec la visio. Vous aviez du matériel pour ça? Voilà, on avait du matériel pour ça, on a été accompagné, mais malheureusement ça ne remplacera jamais le contact humain. Ouais. Un ordinateur ne remplacera jamais un être humain, la chaleur d'un être humain en face. Et je crois qu'on a réussi à passer ces caps difficiles. On a mené des actions. Des fois, ben à la veille de l'action, on nous dit non, vous pouvez pas mener. Moi, je me souviens à chaque fois, c'est le préfet et sous-préfet qui me donnait les autorisations ou pas d'organiser des manifestations, parce que les manifestations, lorsque nous les organisons, nous avons plus de 200, 300, 400 personnes. Et à chaque fois, on nous donnait les autorisations à la dernière minute ou pas, parce que en fonction de la situation sanitaire de la Martinique. Mais nous avons fait ce qu'il fallait. On a mis du gel hydroalcoolique. On a respecté les gestes barrières. Mesures sanitaires. Mesures sanitaires. On a même mis en place un truc avec la CTM. Je remercie monsieur Letchimy. Donc ça a commencé par monsieur Carole et puis après monsieur Serge Letchimy, parce qu'on a pu offrir des paniers alimentaires à des jeunes. On a fait des kits Covid pour les jeunes, pour ceux qui ne pouvaient pas acheter des liquides hydroalcooliques, qui ne pouvaient pas s'acheter des masques. On leur a offert des kits Covid. Et ensuite, on a offert des paniers alimentaires à des jeunes, parce qu'on sait très bien que c'était une période difficile et que beaucoup n'ont pas pu travailler comme il fallait dans ces périodes-là. Et c'est à nous d'apporter ce soutien à cette génération. Voilà, donc on a fait le tour concernant l'activité vraiment professionnelle, la conjoncture actuelle, etc. Et puis maintenant, nous allons aborder un autre aspect du personnage. OK ? Il a des passions, il a des motivations, mais il a également des goûts pour certains arts, il a une autre manière de s'exprimer. Donc on va voir Jean-Michel Loutoubi, artiste. Alors au départ, qu'est-ce qui t'a intéressé ? La musique, la peinture, la sculpture, etc. Alors la musique beaucoup, c'est vrai, mais vers l'âge de 12-13 ans, je lisais beaucoup les bandes dessinées. Bon, j'ai jamais vraiment aimé les livres, mais j'aimais beaucoup les bandes dessinées. Les bandes dessinées et puis surtout les encyclopédies. Je pouvais avaler des encyclopédies à longueur de journée parce que j'aimais tout ce qui était technologique, mais j'aimais surtout les bandes dessinées, les Bleck, les Ambla, les Hakim. Kiwi, Odeo. Odeo, Picsou. Mickey Le Ranger. Puff Gadget avec le petit gadget dans Zambla. Et j'ai commencé à dessiner mes héros à l'âge de 12-13 ans. Je faisais du dessin. Et puis, quand je suis rentré à la mission locale, donc j'ai abandonné ça. Alors là, on te voit, par exemple, sur une... Tout à fait. Là, tu es en train de peindre. Là, je suis sur la palette où je mets mes couleurs pour pouvoir mettre sur la toile après. Voilà. Donc, mais qui c'est dans mon atelier. Justement là, Alors, après toute cette dépense d'énergie que tu as dans le milieu professionnel, tu trouves encore le moyen d'arriver à un certain niveau artistique. Tu exposes. On va voir tout à l'heure que tu fais des choses vraiment invraisemblables. Tout à fait. Et alors là, tu as un espace chez toi réservé à ça. J'ai un espace réservé. Un atelier aux Anzal, réservé à l'art. Je fais de la peinture. Donc c'est vrai que je suis parti avec des jeunes à Cuba en 2004. Pour leur montrer l'art cubain. Donc c'était un projet un peu fou. J'ai pris une dizaine de jeunes de la mission locale, je les ai emmenés à Cuba et ils ont rencontré des artistes impressionnants, très intéressants. Et puis je me souviens, il y a une artiste Consuelo Mendoza qui me disait de faire, si je voulais, de faire avec les jeunes. Et j'ai commencé à faire avec les jeunes et elle me dit en espagnol que j'avais quelque chose et qu'il fallait que je continue, que j'exploite un petit peu plus. Donc je suis retourné en Martinique. Ça a travaillé dans la tête. L'année d'après, en 2005, je m'inscris au CERMAC et je commence à prendre des cours avec monsieur René Louise, ça a été mon premier cours de peinture. Ah, mais justement, après, tout à fait, René Louise. René Louise, voilà, il était mon professeur. Quelqu'un d'adorable. Donc, j'ai eu René Louise comme professeur de peinture. J'ai eu aussi, Hervé Buzz comme professeur de peinture. Et puis, j'ai terminé avec, Joël Pierre-Paul, femme extraordinaire, qui est encore au CERMAC et qui m'a beaucoup donné. C'est l'exposition, Robert, à l'OMCLR. Alors, ça, c'était avec Georges Poulangevin. Donc, je remettais un tableau à Georges Poulangevin, qui était ministre à l'époque. Voilà, tout à fait. On voit Christian Raffa, qui était mon président à l'époque. Et on inaugurait le siège de la mission locale. Voilà. Donc, c'est vrai qu'effectivement, j'ai fait de la peinture. Après, j'ai fait de la sculpture sur bois. Alors là, justement. Sculpture sur bois avec Joël Gordon, que j'en salue aussi, un grand monsieur martiniquais. Voilà. Alors, justement. La sculpture sur bois. On sent qu'il y a une pluralité d'expressions artistiques chez toi. Oui. Là, il y a un portrait de Césaire. Oui, Césaire, c'est moi qui fais. C'est moi qui fais le tableau de Césaire, voilà. Et justement, on voit également que tu as des formes assez curieuses. Oui. J'ai été présent à une de tes expositions, c'était croisé la plusieurs fois. Et il y a des tableaux, il y a une certaine abstraction. Tout des à fois, fait.
avec des origines des fois même amérindiennes c'est ça, des fois. C'est ça. Alors qu'est-ce qui t'inspire réellement en fait. Alors c'est vrai, j'aime les même deux. Même dans la sculpture, ah on oui, regarde même ça. Dans la sculpture, j'aime beaucoup l'Afrique en fait. Je suis beaucoup inspiré. Donc je fais de l'art comme là, la femme qui coiffe. J'aime tout ce qui est figuratif. Mais j'aime aussi tout ce qui est abstrait. Ouais, donc, regarde voilà, ça, par exemple. Là, voilà, un totem, c'est abstrait, voilà, un totem, voilà, en peinture. Et j'aime beaucoup ça. Je ne peux pas l'expliquer. Et d'ailleurs, j'ai réuni tout ça dans un autre travail que j'appelle Yoruba Caraïbes. Donc, c'est ma dernière exposition Yoruba Caraïbes où je mélange la synthèse africaine, synthèse africaine et synthèse caribéenne. Voilà. Ouais. J'ai su que par exemple, on voit une dame. Voilà, une dame martiniquaise. C'était une série en 2014 que j'avais exposée au Bakwa. Vraiment une belle exposition aussi parce que j'aime les deux. Et en fait, j'ai un cousin qui a trouvé dans l'arbre généalogique que ma famille venait du Bénin. Un journaliste m'a dit une fois, il s'appelle Eric Héloïse, et il m'a dit. Ersilie Héloïse, voilà, exactement, plus précisément. Il me dit c'est bizarre, dans ce que tu fais, ça me rappelle les Yoruba. Il faut que tu croises parce que tu as une manière de présenter les yeux, de présenter les choses. Ça, c'est vraiment ce peuple-là à travers. Et j'ai commencé à fouiller. Et c'est là que j'ai un cousin qui a vécu au Bénin et je lui posais des questions aussi. Et il me dit, voilà. Ouais, là, par exemple. Ben oui, voilà, c'est tout du, à fait. Du... Ah oui. Là, c'est assez pré-colonial. Et en fait, il me dit, mais ton nom de famille, notre nom de famille, Lutobi, en Yoruba, ça se dit Lutobi. Et ça veut dire la ville qui lui a donné naissance. Tu sais qu'actuellement, excuse-moi de t'interrompre, Jean-Michel, actuellement, la recherche patronymique, c'est très, très, très important. Bien et sûr. À travers ce que tu fais, enfin, ce que tu es en train de me raconter là aujourd'hui, mais on sent la présence africaine, etc. La présence africaine et la présence caribéenne. Et caribéenne, ben, j'aime beaucoup l'art caraïbe. Et on a découvert, effectivement, pardon, alors les deux ne se sont pas côtoyés. Les Yoruba n'ont pas côtoyé les Amérindiens. Amérindiens. Ouais. Mais dans mon imaginaire, j'ai imaginé que j'avais un ancêtre artiste qu'on a arraché à sa terre et qu'on a fait venir en Martinique et qui a rencontré un ancêtre artiste amérindien et qu'ils ont travaillé ensemble sur une œuvre. Et j'ai essayé de représenter ce que ça pourrait être le travail, le fruit de ces deux cultures-là. Ah, et ça a donné, voilà, ce qu'on voit à l'écran. C'est, y a des ça a donné Yoruba Caraïbes. Voilà. Tu sais, il y a des artistes comme toi, justement, qui sont conscients des origines. Tout à fait. Parce que, bah, Victor Anicette, par exemple, quand tu regardes Victor Anicette, bien sûr. Tu vois, il a fait carrément, un beau travail. Mais évidemment, le style amérindien, tandis fait. Que toi, c'est plus... Il y a beaucoup d'abstraction, de forme. Beaucoup d'abstraction et de forme. Également. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce qu'on voit la femme également à travers... Il y a un peu la femme, mais c'est vrai que je mélange les deux. Par exemple, là, quand on voit l'anneau, on suppose que c'est une femme. Là, c'est une femme allongée, je l'appelle une femme allongée. Alors, voilà, je l'appelle la déesse Manuela Yoruba. Manuela doit rigoler. Là, c'est la déesse Yoruba. Donc, il faut l'imaginer. C'est la déesse Yoruba. Avec l'œil bienveillant, le visage, là, c'est le mari, le regard bienveillant du mari et la femme qui est allongée avec la couronne ensoleillée sur la tête. Voilà. C'est dans mon imaginaire et c'est comme ça. Et à chaque fois, dans cette toile-là, j'ai mis des adornements. En fait, ce sont des petites figurines. Les adornos, c'est des figurines caraïbes. Tout à fait. Donc, c'est des dieux, toile, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est des dieux. Des génies protecteurs, quoi. Tout à fait, exactement. Comme les Africains qui à travers aussi leur œuvre, mélangeaient les dieux qui pouvaient apporter la divinité, qui apportait la fécondation, qui apportait un certain nombre de choses. Donc, dans nos rites. Alors, Jean-Michel, justement, tu vas faire une exposition comme ça, les gens vont passer devant, il y a donc qui parlent, on va regarder, c'est joli, c'est beau, etc. Est-ce que ton œuvre est accessible? L'œuvre est accessible, et puis des fois, je donne des pistes. Parce qu'en fait, il ne faut pas tout donner. Je crois que l'artiste donne une partie avec son pinceau, et l'œuvre doit cheminer dans le cerveau de la personne qui reçoit l'image. Et ça, c'est très, très important. J'ai beaucoup de gens qui me disent des choses par rapport à mes œuvres, des choses que je n'avais pas conscience. Et c'est important aussi de partager cela avec les autres. Parce que sur une par exemple, dans l'exposition, quand les gens viennent, est-ce que des fois tu viens donner certaines explications? Ah, si, je l'ai fait. Par exemple, à l'Atrium, j'ai fait un petit circuit. Alors, j'ai pas pu le faire avec tout le monde. Je suis vraiment désolé parce que j'avais promis de le faire. Mais à un moment, il y avait tellement de monde que c'était impossible à faire. Mais j'ai fait des petits tours avec les gens et je leur donnais des pistes. Je donne pas tout ce que j'ai mis dans l'œuvre. Je leur donne des pistes et leur cerveau doit continuer. En fait, mon pinceau, c'est une extension de leur cerveau d'une certaine manière et ils doivent continuer à vivre l'œuvre. C'est important. Pour traduire un peu, on va dire que par exemple, moi, je vais regarder une exposition de Jean-Michel, je vais voir ses œuvres, j'ai
l'interprétation de l'artiste. Tout à fait. Mais il y a un travail qui se fait sur moi. Tout à fait. La perception. Je me projette dans l'œuvre aussi. Tout à fait, c'est ça. Il y a un qui a beaucoup fait ce travail-là, c'est Van Gogh. Van Gogh juxtaposait des touche de peinture, et l'œil faisait le lien et faisait le mélange. C'est extraordinaire. Quand on regarde un tableau de Van Gogh, là, par exemple, le mélange. Voir en compagnie de... Alors là, j'étais en Sologne et effectivement, j'avais fait une série parce que c'est avec Madame le maire de la Ferté-Imbault. Je leur ai offert deux tableaux pour la mairie et pour le lien, parce qu'en fait, ils sont jumelés avec la ville d'Ajoupa-Bouillon. Avec Maurice Bonté d'Ajoupa-Bouillon, qui a eu l'occasion de les rencontrer, et vraiment des gens extraordinaires. Et j'aime comme ça créer des liens intemporels avec des gens. Donc, on a fait un tableau qui rappelle un peu les cerfs qu'on retrouve en Sologne. Et voilà, c'est ce lien-là qu'on avait envie de créer avec ces personnes extraordinaires. Et tu n'as pas l'intention d'arrêter, bien évidemment. Alors, pendant qu'on montre nous ça, je suppose... Il y a déjà pas mal de choses en chantier qui sont là. Il y a des choses en chantier. Et pourquoi trouver le temps pour faire ça? Il y a des choses... moments où en fait, quoi, moi, la nuit? La peinture, ben, je peins la nuit, mais je fais mes finitions dans la journée. Ma peinture, c'est mon exutoire. C'est vrai que des fois, quand la journée est difficile, ben, ça m'arrive de me mettre, d'arriver, de me doucher, manger, et de me mettre à peine jusqu'à 1h du matin. Voilà. Donc, ça arrive des fois. C'est quoi comme ça. Et quand j'ai préparé l'expo, ben, c'était pareil. C'était pratiquement tous les jours, 1h du matin, pendant, j'ai fait ça pendant 3 mois. Pendant pratiquement 3 mois. Parce que j'avais déjà réalisé mes... Je ne peins pas directement sur une... Je prépare mes esquisses. Il y a un temps de maturation. Il me faut préparer dans ma tête ce que je veux montrer. Exprimer, exactement. Voilà, ce que je veux exprimer. Et quand j'ai fait ça, quand j'ai terminé mes esquisses, à ce moment-là, je mets en peinture sur une toile. Donc, je reprends mes esquisses que je transfère sur la toile. Par exemple, là, on regarde ce qu'on regarde là. C'est un extraterrestre, c'est quoi? Non, c'est pas un extraterrestre. C'est quelqu'un qui a un regard et ce regard exprès, un peu comme la girafe, un peu un regard sur soi-même. Voilà. Et on voit le regard sur la dodo. C'est de l'introspection, quoi. L'introspection. Voilà, exactement. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et ce tableau a beaucoup plu. Ça aussi, c'est la couverture du livre. Voilà. Tu peux montrer. Voilà, tout à fait. Qui s'appelle Yoruba Caraïbe, qu'on peut retrouver dans les librairies d'ici. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, voilà. Donc, tu as deux albums avec uniquement de tes productions. Il y a aussi cette collection. Donc, il y a toute une collection, puisqu'en fait, il y a aussi l'autre album qui s'appelle Corps Mémoire du Futur, qu'on peut voir. Voilà, Corps Mémoire du Futur, qu'on peut retrouver en librairie. Et puis, l'autre qui s'appelle le Yoruba Caraïbe. Et puis, une fois, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Monet, Madame Monet, qui a voulu faire un travail sur ce que je fais, qui s'appelle Artention. Et dans ce journal, effectivement, on présente... j'ai réalisé une œuvre sur une voiture avec DS Automobile. Voilà. Et on a mis une œuvre sur la toiture de la voiture et on a fait un événement exceptionnel. Si on pouvait avoir je ne sais pas si on a pu... Et j'ai fait ça, c'est vraiment... Voilà. C'est pas de la publicité, hein. La DS3 avec une œuvre sur la toiture de la DS3. C'est un moment extraordinaire avec DS Automobile. Attends, le numéro 2 de DS France est venu spécialement pour cette manifestation. Spécialement pour cette réalisation. Cette réalisation-là. C'était vraiment un temps fort avec beaucoup d'invités. Et la voiture a avec... Ah oui, tout à fait, avec l'œuvre dessus. Et je remercie Jean-Marie Jeunhomme de DS Automobile Toyota et Citroën qui a vraiment couru en tout ce qu'on appelle l'art-économie. Moi, j'ai envie de développer l'art-économie, c'est-à-dire allier l'art et l'économie. Mettre parce l'art au service de l'économie, tout à fait. Ouais. Et là, il y a un chantier, il y a un boulevard devant, il y a énormément de choses qu'on pourrait faire sur ce territoire-là, ne serait-ce que dans ces domaines-là. Voilà. Oui, mais parce que là, justement, Jean-Michel Loutomi nous parle de l'art dans l'économie. Je suis bien placé pour te dire qu'il y a des artistes qui veulent s'associer à des gros groupes économiques, etc. Mais ça ne se fait pas comme ça. Hein. C'est-à-dire que ce que tu viens de réaliser là, sur la voiture, effectivement, on ne va pas parler de publicité particulière, mais transporter l'art pratiquement accessible à tout le monde. Tout le monde a eu l'auto à passer. C'est ça. Mais quand tu m'avais présenté ça, j'étais tombé des nues. Hein, voilà. Et je l'ai fait avec Thierry Lozéa pour le chocolat. On avait réalisé des coffrets et on avait mis une œuvre sur une tablette de chocolat. C'était un moment extraordinaire, pareil. Ça a marché. Avec les gens, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné avec les gens. Ce sont des expériences uniques, mais extraordinaires, avec des gens extraordinaires aussi, parce que, alors bien sûr, c'est pas dans un claquement de doigts. Il faut avoir quelque chose à proposer. Moi, Jean-Marie Jeunhomme, on s'est rencontrés, on a discuté. Il y a quelque chose, il y a un feeling, il y a quelque chose qui est passé. Une préparation. Moi, je suis quelqu'un de passionné. Puis,
puis, comme je dis souvent, c'est pas l'argent qui est en premier. Donc, l'argent, ça reste secondaire. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter et comment on peut apporter les choses. Si on met l'argent en premier, on fera rien du tout parce qu'en fait, on fera qu'une seule chose, c'est rebuter l'autre qui est en face. Moi, j'ai été commerçant, donc j'ai été commercial. Je sais ce que c'est que de faire du commerce. Mais oui, tu as une entreprise. Tout à fait. Je sais ce que c'est que du commerce. Tous ceux qui courent après l'argent ne s'amusent à faire une chose et à courir après l'argent. Moi, je cours après des projets, après des idées. Moi, je dis la Martinique, ça doit être une Martinique de projet avant tout avec des idées. Pas une Martinique où on pleure ou au machin. Effectivement, il y a le côté administratif, rigueur administrative qu'il faut. Mais il faut une Martinique de projet. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui peuvent apporter cela. Là, on va entrer dans la dernière partie de l'émission avec un regard sur la société actuelle, évidemment. Chaque jour, pourquoi t'en donner des coups de physique qui partent pas là, etc. Il y a des drames qui se font. C'est un problème d'immigration. On en parlait tout à l'heure. Ça fait en début d'émission. Un regard qui n'est pas forcément positif sur la société actuelle. Alors là, donne-moi tes idées sur la société actuelle, quels conseils donner à tous ces jeunes-là, parce que toi, tu t'adresses, ni Munga parlait, mais toi, tous les ans, direct, les jeunes-là. Les ans, direct, tous les jours, devant. Ouais. Je côtoie la misère. Moi, je dis souvent, je côtoie la misère. Parle un peu au groupe martiniquais. J'ai pas de gens qui viennent me dire que les gens ont dit. Moi, je rencontre des gens qui me disent à moi ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. On accompagne des jeunes qui sont, par exemple, des forçats pénitentiaires. Lorsqu'ils sortent, il n'y a pas de possibilité d'intégration après, parce qu'en fait, ils ont connu la pénitentiaire, mais sauf que beaucoup d'entreprises ne leur donnent pas leur chance après. Et je disais encore au président de la collectivité, je disais qu'il fallait mettre en place des chantiers d'insertion réservés pour ces personnes-là, pour leur permettre de s'exprimer et d'avoir une vie décente, une vie sociale. C'est important d'intégrer les gens dans la société. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de désespoir, c'est vrai. Ce qu'on a connu en novembre 2021, c'était pas un hasard. On a connu ça aussi en décembre 59, on l'a connu aussi en 2009. Ce sont des périodes difficiles où les gens expriment leur souffrance dans la rue et expriment leur souffrance d'une autre manière. C'est-à-dire encore une minute. Oui. Tout à fait. Continue, souvent, l'expression de la souffrance chez l'individu, c'est la violence. Donc, c'est ce qu'on voit. Nous, c'est un exutoire. On voit la violence, c'est un exutoire. Mais avant la violence et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens? Moi, je dis qu'il est important de prendre conscience que nous avons en face de nous des hommes et des femmes. Ce sont des Martiniquais à qui nous devons donner une chance. Et pour donner une chance, il faut co-construire. Il faut construire avec les gens. Il faut construire l'avenir de demain. Il ne faut pas dire aux gens, voilà, on va te donner ça. C'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ne me donne pas un poisson. Apprends-moi à pêcher. Et quand tu m'apprends à pêcher, réserve-moi un espace pour que je puisse pêcher. Dis-moi où je peux aller pêcher. C'est ça qu'on doit faire avec nos jeunes. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'avec Jean-Michel Loutoubi, on est entré vraiment dans le cœur du sujet. Que sont-ils devenus? C'est une étape. Parce que le connaissant, il a tellement de projets en tête, ce monsieur-là. J'ai l'impression qu'on va le revoir encore d'ici quelques années. En tout cas, c'était que sont-ils devenus avec un personnage incontournable de la société martiniquaise, Jean-Michel Loutoubi. À très, très, très bientôt. Merci. Sur Zouk TV, bien sûr. Merci, Zouk TV.